Alors bonjour, nous nous trouvons avec Monsieur Mystère dans l'ancien foyer des travailleurs migrants et qui n'a pas été occupé depuis 9 ans, construit il y a une quinzaine d'années. Alors Monsieur Mystère, qui vous en occupez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en une semaine. Oui, beaucoup d'animations depuis une semaine. Depuis jeudi, exact jeudi, il est arrivé quand même pas mal de gars. Il est arrivé 40 gars de Brest pour la première semaine. Lundi, il est arrivé 50 gars de Dunkerque. Et jeudi de cette semaine, une centaine de Nantes. Alors on arrive avec ceux qui sont partis, qui ne se sont pas plus au travail chez Peugeot, on arrive à avoir peut-être à peu près une cinquantaine de jeunes ici maintenant au foyer. Alors ce sont tous des jeunes bon, qui ont au minimum un CAP, qui ont des diplômes et qui sont embauchés qui travaillent chez Peugeot Sochaux et en intérimaire embauchés par la société ECO de Montbéliard. Alors voilà tout ce que je peux vous dire. Et il reste combien de temps encore ici? On ne sait pas, ça peut être, ils peuvent venir travailler un mois, deux mois, un an, je ne sais pas, hein, oui. C'est du travail intérimaire hein, qu'ils font. D'accord. Bon, ben, merci. Là, bon, normalement, la société ECO a loué le bâtiment ou HLM. Normalement, c'est prévu jusqu'en juillet 90. D'accord. Après, on ne sait pas où ça ira. Bon, peut-être, ça durera peut-être 2 ans ou 3 ans ou plus. Hein. De toute façon, maintenant qu'il est un peu réhabilité, qu'il va être repeint, il y a des problèmes de fuite d'eau, des problèmes de... Hein, puisque ça n'a pas été occupé depuis 9 ans, une fois que ça sera remis au... Alors bonjour, vous venez d'où exactement? Waterloo dans le nord. Oui. Dunkerque. Dunkerque. Et la région vous plaît? Pas du tout. Il n'y a pas assez d'ambiance ici, c'est nul. C'est vrai? Ouais, sérieusement. Le boulot y est bien, mais le reste est nul. Pourtant, j'ai vu que vous êtes bien éclaté là. Bah, parce qu'on s'arrange pour ça. C'est parce qu'on s'arrange quoi. On a pris une grosse défonce des familles. Pour arroser ça. On va pas, on peut venir là. Bon, bah, merci. De rien. Ah. Salut. Bah. Passe pas, tu vas passer à TFA. Hein. Trop tard. Sur l'habitation, c'est mal situé. Le lit est bien, c'est mal situé, il n'y a rien trop petit. Ici. Il y a pas d'environnement. Situé dans un village, qu'est-ce qu'on peut faire dans un village? On reste enfermé pendant 2 jours. Là. Il n'y a rien, il n'y a pas d'amusement, il n'y a même pas un terrain de foot. Si, il y a un terrain de foot. Ouais, vous, à 15 km, on n'a pas de voiture. Non, c'est dans le village. Dans le village, ah ouais? Où? À quoi, cher? Un terrain de foot au champ de Mars. Faut les emmener au champ de Mars. T'as un pétanque, même si vous. Ouais, t'as un pétanque. Pour l'instant, il y a que les grosses bourses, il y a des cafés. Ouais, du café. Si tu passes un vieux café, t'as pas fini à 30 ans, t'as une sirose, un garçon. T'as pas 30 ans. Tu peux l'avoir avant, si tu vois bien.